Lorsqu'en 2011, Mathieu d'Aguzon-Garros trouve l'occasion d'importer Diamond Green en France, il n'hésite pas une seule seconde à faire revenir d'Irlande le fils de Green Desert, invaincu et gagnant de groupe 3 à 2 ans, triple deuxième de groupe 1 à 3 ans sur 1600 mètres au Haras des Granges. C'est un cheval qui a été assez bien accueilli dès le départ. Deuxième année pas mal saillée, troisième année un peu plus creuse automatiquement, quatrième année bien remontée par sa production ou grâce aux résultats qu'il a eu. Il a fait une très bonne année de 2 ans en français, première année. Bon, à l'étranger, ça continue à gagner dans tous les coins du monde. Hein. Derrière l'inapprochable Siyuni, Diamond Green termine deuxième en 2014 du classement national des étalons de première génération de 2 ans FR avec 9 vainqueurs individuels de 14 courses. En 2015, Diamond Green confirme et il étend même son champ de compétences. En France, ses premiers partants de 3 ans en obstacle s'imposent sur les haies de Compiègne, Bordeaux et Enghien. Outre-Atlantique, sa fille What's That Chance remporte un groupe 3 le jour des Preakness Stakes, deuxième étape de la triple couronne américaine, à Pimlico, avant de s'imposer dans les Beverly Dee Stakes, groupe 1 à Arlington. C'est l'une des meilleures juments de gazon aux États-Unis. Logiquement, Diamond Green continue de susciter les convoitises sur les rings de vente, que ce soit sur celui d'Arcana à Deauville, où il affiche tous les ans des coefficients multiplicateurs spectaculaires par rapport au prix de saillie, ou sur celui d'Osarus à la Test, où il a fait à nouveau carton plein en 2015. Valeur sûre, polyvalent, tant sur les rings que sur les pistes en Europe et en Amérique, Diamond Green sera toujours disponible au Haras des Granges dans le Gers, proposé à 2500 euros en 2016.